Nouvelle journée, les passionnés, on vient de récupérer le châssis qui est sorti de galvanisation. Donc il est tout beau, tout protégé. La structure de bâche aussi, ça s'est récupéré. Et les petites pièces, donc le train avant et les pédales et les petits accessoires divers. Donc là, ce qu'on va rattaquer, c'est le remontage. Donc je vais commencer par remonter l'essieu arrière. Et puis après, on attaquera le circuit électrique de route, le circuit électrique du haillon et toute la partie freinage. Voilà. La partie cycle est montée, donc le système de freinage, de suspension et l'essieu sont montés. On va laisser ça comme ça pour le quart d'heure. Et on va s'occuper de la partie train avant. We'll be right back.
Petit point sur le chantier. Donc, je viens de finir de préassembler, d'assembler partiellement le train avant. Avec, donc là, on est sur la partie vue de dessous, avec le système de suspension à lame et le maître palonnier. Voilà, donc ça, c'est bon. J'attends l'essieu qui est pas encore sorti de peinture. Donc là, tout est assemblé au final. Sur l'engin par lui-même, l'essieu arrière, lui, est assemblé. Ah, t'es dans la caméra, Lilo. L'essieu arrière, lui, est assemblé. Le système de freinage est partiellement assemblé. Là, ce que je vais faire, c'est mettre les deux tôles de garniture latérale, droite et gauche, parce que j'ai besoin de la presse pour tailler les planchers alu devant. Et la suite, après, ça va être mettre en place le système de freinage arrière. Donc avec les répartiteurs, le capteur de pression pour le feu stop, et bien sûr, toute la partie maître cylindre, pédale et tige de commande. Un petit point d'avancement sur le chantier. Donc, je viens de terminer la partie électrique de la carriole. Tout ce qui est signalisation routière, c'est fini. Alors, on a le gyrophare qui est ici. Clignotant, warning, feu stop sur les arrières. Tout est monté en feu à LED. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'ampoule à changer. Ça consomme presque rien. On a les répétiteurs avant. Donc, ici et de l'autre côté. Le panneau de commande qui est situé ici avec tout, on a l'éclairage intérieur, le gyrophare, les feux de position, les clignotants qui sont pilotés à la main. Juste à côté, vous avez la vanne de frein de parking. Et pour le reste du circuit, donc toute la partie électrique se situe derrière. Donc là, les épissures sont assez simples, on a un bornier pour les moins ici, on a le bornier pour les plus avec les fusibles ici et la batterie qui est là. Là, il me reste juste à faire les raccords de chargeur, donc pour recharger la batterie sans avoir à tout ouvrir. À savoir que cette partie-là est démontable, donc il y a 4 vis à enlever et le côté pareil, il y aura 5 vis à enlever pour pouvoir démonter la partie latérale. Pour le freinage, il y a des capteurs de pression. Donc, qui actionne les feux stop derrière. Donc ça, c'est des petits capteurs, c'est un interrupteur hydraulique en fait qui est monté sur le circuit, donc ils sont juste là. Voilà.
Là, la suite de ce qui va se passer, je vais positionner les planchers, donc en bois et en aluminium. Et après, ben, on va continuer la carrosserie avant, la pose des sièges. Et voilà, donc ça avance bien. Là, ça m'a pris à peu près 3 jours de faire tout le circuit bien proprement. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. On se retrouve pour faire un petit point chantier. Désolé, je suis un peu enrhumé. Toute la partie électrique est finie. Les freins sont fonctionnels. Les garnitures tôles, c'est pareil, c'est fonctionnel, c'est garni. Là, la voiture, on va la mettre dans notre autre atelier pour pouvoir faire tout ce qui est bâchage. Voilà. Parce que le bâchage, ça se passe pas ici, ça se passe dans l'ancien atelier de mon père. Donc c'est mon père et ma soeur qui s'en occupent. Et on va faire toute la bâche, donc avec les cristaux, les fenêtres. J'essaierai de vous faire quelques images de ça. Ça va pas être facile parce que c'est à 10 km de là où je me trouve, mais j'essaierai de vous faire des images. Voilà. Donc là, le chantier avance bien. Je vous filme ça très rapidement parce que je manque de temps et du coup je suis en train de faire le contrôle de mise en service pour le haillon qui est sur la calèche. Et on a une épreuve dynamique, je sais pas si on voit, avec un poids nominal de 400 kg voilà, sur le haillon. Là, la gueuse qui est là, elle fait 400 kg. Bon, là, on est vraiment en charge quasiment maximale. À savoir que le point de fonctionnement, c'est 180 kg, la charge de fonctionnement. Là, je l'ai mise prête à recevoir donc un fauteuil. Les banquettes se relèvent à droite et à gauche. Elles sont fixées, hop là, par des petits pontets ici. Et on a les rails au sol qui nous permettent de fixer les sécurités, donc les ceintures de sécurité, que je vais installer là tout de suite. Donc là, le haillon est en position transfert, donc pour transférer le passager depuis l'intérieur de la calèche jusque sur la plateforme. Bon voilà, le projet est enfin terminé. Donc on est sur le final de la presque à la livraison. On s'en va la livrer demain. Donc on aura mis un peu plus de 4 mois pour tout faire. Bon, après on est en période Covid, donc c'est un peu compliqué là de tout gérer, les retards fournisseurs et tout. Voilà, le haillon est en place, ça fonctionne bien. Le contrôle périodique est fait, enfin le contrôle de mise en service. Et pour le reste, vous avez pu voir dans les épisodes précédents, toute la fabrication, donc on n'a plus qu'à la livrer et puis on lui souhaite une longue vie de travail.
Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette série d'épisodes consacrée à la fabrication donc, de cette jolie voiture. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.